trois erreurs à éviter pour réaliser une bonne passe. N'hésite pas à identifier des potes qui doivent travailler leur passe en commentaire. La première erreur, et qu'on voit assez fréquemment, c'est d'avoir les bras tendus. Le fait d'avoir les bras tendus vont faire que tu vas utiliser le balancier de ton bras et non la poussée pour envoyer le ballon. Et donc le balancier va faire que le ballon va être un petit peu lobé. Alors que si ton bras est fléchi, tu vas pouvoir pousser droit dans le ballon en direction de la cible. Et la trajectoire de ta passe sera beaucoup plus rectiligne. La deuxième erreur à absolument éviter, ça va être de se tromper de jambe lors de la passe. Il faut avancer la bonne jambe pour pouvoir bien ouvrir ses hanches et ses épaules. Donc si je veux faire ma passe à gauche, il va falloir que j'avance mon pied droit et pas mon pied gauche. Si j'avance mon pied gauche, ma rotation de buste va être bloquée et au niveau de ma coordination, je ne pourrai pas transférer de force dans mes bras. Et enfin, la troisième erreur à absolument éviter, c'est de ne pas suivre la passe. Je vous recommande de suivre votre passe lors de son exécution. On voit trop souvent les joueurs faire des passes et s'asseoir ou partir à l'opposé de la passe.